9h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 12 octobre 2016. Bienvenue dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Les parties prenantes au dialogue politique interguinéen signent ce mercredi à la primature les conclusions finales sous l'égide de Mamadi Diula, Premier ministre chef du gouvernement. Parallèlement, toujours fidèle à sa position, le président du Bloc libéral entend lui aussi, à travers une déclaration, réitérer son désaccord. Pour quelle fin et quel succès cette déclaration aura? Tout à l'heure, en direct dans cette émission, Tamba Gaston Milimono, il est le conseiller juridique adjoint du Bloc libéral. Et puis derrière, nous allons appeler Faya François Bourouno, lui il est le porte-parole du PDN, puisqu'on entend que le PDN, le Bloc libéral et d'autres partis sont en train de démarcher pour lancer une autre alliance. Quel sera son nom et pour quelle fin? Faya François Bourouno va nous éclairer tout à l'heure. L'invité ici, dans ce studio, sur ce plateau, c'est bien Diogo Baldé. Il est responsable des opérations de la commission électorale au niveau de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG en abrégé. Il est également secrétaire national d'éthique, technologie de l'information et de la communication, ainsi que de l'économie numérique au niveau du même parti avec lui. Il sera bien entendu question du fonctionnement de ces deux structures, mais aussi des préparatifs des élections communales. Pourquoi pas ce dialogue dont les conclusions, je vous le disais tout à l'heure, vont être paraffées ce mercredi même. Daouda Mohamed Camara, bonjour. Bonjour Bakar Kondé, bonjour à M. Diogo, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Diogo Baldé, bonjour. Bonjour M. Kondé, bonjour aux auditeurs de la radio Chérie FM. Une première fois d'être dans ce studio. Merci, c'est un plaisir. Ça ne sera pas la dernière. On espère. La mise en œuvre de Côté Radio est assurée par le seul baga de l'équipe à Bouakarami Bangoura. La réalisation Côté TATV assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Jacques Arthur Amon, Sekou Touré, Konkoba Kouyaté, Madame Keta Diaré, Diallo Kadia Touré. Bouakarami Bangoura, lui, il est assisté par ses deux stagiaires, Cabinet Sano et Yamoussa Sila. Ici, présentation. Aboubakar Kondé, Tamba Gaston Milimono est déjà en ligne. Daouda Mohamed Camara. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Tamba Gaston Milimono, bonjour. Bonjour, monsieur Daouda Camara. Je rappelle que vous êtes le conseiller juridique adjoint du Bloc libéral, un parti dirigé par Dr Faya Milimono. Pendant que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le président du cadre du dialogue politique interguinéen, invite les parties prenantes à la primature au palais de la Colombe pour la signature des conclusions de ce dialogue. Vous aussi, vous annoncez une déclaration pour protester, comme ce que vous dites, une violation de la Constitution. Dites-nous, qu'est-ce qui fonde cette sortie? Merci, M. Camara Daouda. Il faut dire que nous sommes dans une situation très critique actuellement dans ce pays-là. Mmh. M. Camara, c'est inimaginable que ce document pourrait être signé aujourd'hui. La situation dans laquelle nous vivons, avec le manque de communication, il est arrivé que la population est prise en otage. Mm-hmm. Par qui? Aujourd'hui, par le gouvernement et ses complices. Qui sont ses complices? Nous ne déclarons pas directement, mais personne ne peut agir dans ce pays-là s'il n'a pas d'aide. Mm. Laissez-moi expliquer. Allez-y. Aujourd'hui, vous avez vu notre président, Dr Faya, au nom de notre parti, le Bloc libéral, s'est retiré du dialogue politique. Pas parce que nous ne voulons pas dialoguer, parce que nous n'allons pas engager l'avenir des enfants de la Guinée en danger. Il faut être clair que le découplage des élections, c'est détruire l'avenir des enfants de la Guinée.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire exactement le nombre de jeunes chômeurs abandonnés dans les rues, alors qu'on parle de 440 milliards pour une élection? Et si on la découple, qu'est-ce que ça veut dire, multiplier ça par deux? 880. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je suis juriste, je ne peux pas faire les comptes très bien. Daoudé est très fort en calcul mental. Mais le calcul, vous voyez ce que ça peut donner? Alors que notre loi est très claire. Nous avons fait des lois qu'il faut respecter. Oui, mais lorsque vous dites, monsieur Milimuno, que la loi est très claire, à ce niveau, il n'y a pas une loi quand même qui dise qu'il faut nécessairement coupler ces élections pour aller. Et aucune loi aussi n'est figée. Hein? La loi est, elle est dynamique. Monsieur Camara, vous et nous sommes convaincus qu'actuellement, nous sommes dans une situation difficile sur le plan économique. C'est une évidence. La simple raison est qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère guinéenne, on le connaît. Oui, mais revenons du cadre, de l'esprit juridique. Revenons dans le contexte juridique. Ah, allez-y. Dans le contexte juridique, l'esprit de la loi, d'abord, chaque fois, il faut dire ça aux juristes. L'esprit de la loi, c'est le côté positif. Est-ce que vous comprenez? Lorsque quelque chose n'est pas positif, la loi ne le permet pas. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la loi permet quelque chose qui est positif, c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une positivité ici aujourd'hui? Parce que pour beaucoup, aller à ces élections désormais... Oui, allez-y. Laissez-moi finir. Nous sommes passés au dialogue. Nous avons tout simplement demandé cela parce qu'on ne peut pas laisser ce pays-là dans des élections continues. Si vous vous souviendrez, depuis que nous sommes en dialogue, on parle d'élection. C'est pourquoi le bloc libéral de ses analystes voulait qu'on sorte de problème d'élection maintenant, compte tenu de la situation économique dans laquelle nous vivons. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez suivi actuellement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des partis politiques tels que le PDL, tels que d'autres membres de la société civile, qui sont pour cela. Et pour cela, nous avons fait notre déclaration pour dire que, d'abord, une première fois pour expliquer au peuple pourquoi cette position, parce qu'aujourd'hui, il y a des attaques par-ci, par-là, mais nous n'allons pas prendre notre énergie pour répondre à ces attaques. Et plutôt, c'est pour expliquer au peuple pourquoi cette position. C'est pour les expliquer tout simplement que c'est dans leur intérêt, c'est pour bien préserver la gestion économique dont nous reprochons le gouvernement actuel. Et de l'autre côté, contrecarrer aussi ceux qui veulent mettre le pays là dans les erreurs irréparables. Il ne faut pas qu'on les laisse parce que... Qui sont ces autres-là? Monsieur Tamba Gaston, vous êtes parti, vous êtes membre de l'opposition républicaine et cette opposition républicaine est drainée. Ça, on ne peut pas se voiler la face par l'UFDG à sa tête, le chef de file, Selou Dalein Diallo, qui est d'accord sur le contenu de cet accord. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que à la longue, vous pouvez continuer donc à évoluer dans l'opposition républicaine, le BL, bien entendu? Ça, c'est la réponse à vous, les journalistes. À certains auditeurs qui vous disent que nous sommes un parti qui suit un autre parti. Ça, c'est la réponse à vous, à ceux-là aussi. Parce que d'autres fois, quand j'étais dans votre studio, j'ai eu à vous dire que nous sommes un parti indépendant dans un ensemble qui est l'opposition républicaine. Donc, c'est cette indépendance que vous êtes en train de confirmer. Écoutez, c'est pour vous dire que nous ne suivons pas quelqu'un et quelqu'un d'autre ne nous suit pas, ça dépend des convictions. La preuve la plus éloquente aujourd'hui, vous dites que l'IFDG est d'accord, chose qu'on connaît déjà. Et si l'IFDG est d'accord et que nous ne sommes pas d'accord, est-ce que cela prouve qu'on se suive? Non. Et quelle chance votre déclaration, Dabda l'a dit, quelle chance votre déclaration? Oui, allez-y. Laissez-moi finir. L'UFDG est un parti indépendant au niveau de l'opposition républicaine, tout comme le bloc libéral. Donc chacun peut avoir des positions. Deux partis de poids différents, il faut rappeler ça aussi. Oui, c'est cette position dont je décline ici. C'est-à-dire on peut ne pas être le même chemin, même quand on est dans l'opposition. Parce que l'opposition républicaine, c'est un groupement de partis. Et là, chaque parti est commandé à la base. Nous, en tout cas, nous sommes commandés à la base. Mais est-ce que votre démarche-là ne viole pas la charte qui régit le fonctionnement de cette opposition républicaine? Non, ça ne viole pas, monsieur, je vous en prie, ça ne viole pas. Écoutez, si ça viole, c'est ceux qui nous ont laissé pour accepter qu'ils violent. Parce que tout pourtant, vous nous avez dit qu'au niveau de l'opposition républicaine, quand un sujet est posé sur table, le débat peut être fait et s'il n'y a pas d'accord, on procède au vote.
Si quelqu'un est trahi, c'est le BL, et c'est le BL, parce que il faut le reconnaître que quand on partait au dialogue, il y a eu d'abord des réunions au préalable. C'est à partir des réunions là que nous avons pris des décisions, nous avons pris des points sur lesquels on allait se focaliser lors du dialogue politique. C'est maintenant arrivé au dialogue politique qu'à notre grande surprise, il y a eu divergence. Chacun a pris son chemin parce que tout simplement, peut-être pour des raisons personnelles ou des intérêts personnels, chacun s'est positionné selon sa façon. Mais nous, notre position, nous l'avons été tout le temps claire. Nous sommes là pour la jeunesse de Guinée. Nous ne pouvons pas laisser ce peuple mourir de faim lorsque 440 milliards est en jeu. Il faut les coupler pour économiser l'économie guinéenne. Nous sommes dans une situation critique, c'est notre position. Et c'est pourquoi cette position est appréciée par d'autres qui sont dans la société civile, d'autres qui sont des partis comme le PDM. Et c'est pourquoi nous allons nous retrouver ensemble aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour communiquer sur la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans cette position et dire au peuple de Guinée quelles sont les stratégies que nous allons prendre pour empêcher ceux qui veulent envoyer la Guinée là où elle ne doit pas être. Tamba Gaston Milimono, vous êtes le conseiller juridique adjoint du bloc libéral. Puisque vous parlez du PDN, le responsable de la communication, le porte-parole de ce parti est déjà en ligne. C'est bien Faya François Bruno. Vous allez lui dire bonjour et puis on va continuer avec lui. Bonjour M. Bruno, ça fait très longtemps. Un jeune frère doit appeler un grand frère. Merci, la leçon elle est comprise, je vous dis bonjour aussi. Voilà, il n'y a que chez FM, hein, la 54.1 qui peut faire en sorte que le jeune frère dit bonjour à son grand frère. Hein. D'accord. Merci à vous, Tamba Gaston Milimono, d'être passé dans cette émission. On va partir Daouda avec Faya François Bruno. Tamba Gaston Milimono parle d'une réunion. Il faut confirmer cela avec Faya François Bruno. Oui, est-ce que vrai que c'est cette réunion, vous êtes associé, vous êtes convié? On n'est pas convié, on est tous initiateurs de cette réunion. Mm-hmm. Alors, voilà, votre réunion parle concrètement de quoi? Sa teneur. La teneur, c'est d'échanger autour des derniers développements de la situation politique dans notre pays et tirer les conséquences de l'issue du dialogue. Alors, tirer les conséquences de l'issue du dialogue, on sait quand même que les parties prenantes à ce cadre de concertation, le PDL, même si vous aviez annoncé que vous n'étiez pas convié, après la rectification a suivi. Aujourd'hui, les parties prenantes vont procéder à la signature du document final de ces conclusions. Alors, est-ce que vous êtes partie prenante ou pas? Vous allez apposer votre signature ou pas? On n'apposera pas de signature, mais on est partie prenante. On avait discuté, on avait commencé à participer au dialogue. Mmh. C'est quand on s'est rendu compte que les conclusions telles que signifiées dans le document de l'accord n'est pas conforme, n'est-ce pas, ou ne sont pas conformes aux attentes minimales de l'opposition, des causes pour lesquelles on s'est toujours battu dans ce pays et qui ont coûté très cher au peuple de Guinée. Dès qu'on a vu cet éloignement, nous avons dit qu'on ne souhaiterait pas être comptable de cette situation catastrophique que nous constatons sur ce document, avec la violation notoire des dispositions du code électoral et de notre constitution. En plus de cela, l'éloignement des principes et valeurs démocratiques pour lesquels nous nous sommes toujours battus. Pour lesquels nous nous sommes toujours battus et pour beaucoup aujourd'hui, passer à cet acte, à la signature de cet accord, c'est aussi donner une chance à l'apaisement parce qu'on sait quand même que la situation sociopolitique du pays était vraiment ce qu'elle était, très tendue. Passer aujourd'hui à la signature, c'est donner une chance à la paix. Monsieur Kamara, je crois qu'on était ensemble à... En 2013, lorsque l'accord politique se signait, n'est-ce pas, c'était le même slogan, c'est donner une chance à la paix. Vous avez suivi le lendemain ce qui s'est passé. Non, mais il n'y a jamais de grandes concessions pour préserver la paix. Oui, c'est ce que je vous dis. Je fais toute cette comptabilité pour permettre de comprendre que tant que nous partons discuter autour de la table, on met la loi de côté pour privilégier des consensus infondés. Mais ça, on sera toujours rattrapé par cela. Si nous voulons réellement résoudre cette crise-là, on ne peut pas
continuer à ignorer les dispositions de nos textes de loi. On ne peut pas continuer à bafouer les principes démocratiques. C'est, ça commence par ça. Mais à chaque fois qu'on est autour de la table, n'est-ce pas, on met la loi, on dit consensus, consensus. Parfois, même le texte qui est stipulé, n'est-ce pas, il est moins productif que certaines propositions qui nous avaient été faites à l'époque. Si vous prenez, n'est-ce pas, les dispositions relatives à l'indemnisation, n'est-ce pas, des victimes. Mais en 2015, il y avait eu des engagements plus fermes que ça, où, n'est-ce pas, le gouvernement était sur pied de s'engager à commencer l'indemnisation des citoyens, là où, des victimes plutôt, là où il y avait la petite difficulté, c'était l'élargissement ou la restriction du nombre de victimes. Mais aujourd'hui, on renvoie ça encore à une logique de mise en place d'un fonds d'indemnisation, sans préciser qui sera indemnisé, qui ne le sera pas, parce que d'autres parlaient des victimes du camp Waro, des victimes... Non, même mais pour le cas de figure, l'un des acteurs qui a pris part à ce débat, en l'occurrence, Dr Dean Touré, a dit que c'est les événements de 2013. Oui, mais les événements de 2013, vous n'avez pas une liste exclusive de cela. Oui, mais c'est un travail qui doit être fait. Il faut d'abord un repère. Le repère, c'est 2013. Maintenant, un travail de fourmi va être fait sur le terrain pour recenser toutes les victimes. Monsieur Condé, allez-y. Vous rentrez aujourd'hui. J'aurais souhaité ici que le gouvernement vous porte confiance, que vous soyez dans une telle commission de recensement. Vous verrez si c'est un travail que vous réussirez à faire dans ce pays. Nous connaissons, ce sont les mêmes personnes. Pourquoi vous aimez tout relativiser? On ne relativise pas. Nous sommes d'ailleurs le parti qui a tout le temps pessimiste. Non, pas du tout. Allez-y. On n'est pas pessimiste. On raisonne sur des faits. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on est en train de dire. On a eu à signer des accords qui n'ont pas été respectés. Pourquoi voulez-vous pas qu'on doute encore de cette tentative d'accord? Et au-delà de ça, au-delà du doute qu'on pourrait avoir sur l'application ou le respect des dispositions de cet accord, c'est le fait de bafouer toute disposition constitutionnelle et les dispositions du code électoral. C'est le fait de s'éloigner des principes et valeurs démocratiques. Mais à votre entendement, quels sont les partis qui veulent faciliter cela? C'est l'UFDG, c'est le RPG, c'est le PDN, c'est l'UFR? Faciliter quoi? Faciliter l'éloignement de nos textes de loi, bafouer nos textes de loi. Mais c'est l'UFDG surtout. Ah bon? C'est l'UFDG surtout, oui, bien sûr. Vous vous fondez c'est sur quoi? Et pourquoi? On ne peut pas. Oui, parce que nous étions tous ensemble. N'est-ce pas, au sein de l'opposition à l'époque. C'est eux qui ont pris la distance ou bien c'est vous qui avez pris une distance? Nous avons pris la distance parce qu'on avait compris que leur position était douteuse depuis toujours. Ah bon. On avait compris ce doute. C'est pourquoi nous, on a décidé très récemment qu'on se retirait de l'opposition républicaine. Parce que tu ne peux pas vouloir d'une chose et de son contraire. C'est compliqué. Si les autres sont reçus, je le rappelle encore, je l'avais dit une fois sur vos bancs, à l'époque. Si Alpha Condé appelait un autre leader de l'opposition, vous entendez l'UFDG dire que nous doutons de la personne n'a pas une position claire, ainsi de suite. Aujourd'hui, et vous comprenez la position de l'UFDG, n'est-ce pas? Ils sont presque avec le pouvoir. Aujourd'hui, on ouvre la brèche pour une révision constitutionnelle à cause de ces discussions autour de la table, n'est-ce pas? De certains intérêts, n'est-ce pas? Très infimes. Mais ça, demain, on ne pourra pas contester si Alpha demanderait, n'est-ce pas, une révision constitutionnelle pour un troisième mandat. Oh, c'est cette ouverture-là. Ce n'est pour le moment pas à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, quand même. Non, mais c'est ce que je veux simplement dire. Eh bien, l'appétit vient en mangeant. Au-delà même de... Oui, mais au-delà de tout ce qu'on entend, il paraît qu'il y a une autre alliance qui a en vue au sortir de la signature de ce dialogue. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je le confirme, mais vous aurez la confirmation définitive lorsque la réunion aura lieu, qu'un document sera publié qui engagera toutes les parties prenantes. Et... Mais déjà, l'accord de principe est acquis de la part de certains partis politiques et de certaines organisations de la société civile. Et cet accord, est-ce qu'il y aura des représentants de l'opposition républicaine? Des partis qui représentent l'opposition républicaine. Je crois qu'il y a des partis de l'opposition républicaine qui feront partie de cette alliance. Quelques-uns.
En tout cas, il y a le BL qui sera là avec nous, je crois. Il y a aussi le parti de M. l'honorable Alpha Sy là-bas qui sera là. Le PGRP. Voilà, le PGRP. Les leaders qui ne connaissent même pas le nom des partis, hein, tellement ils sont nombreux, les partis politiques. Non, pas vous seulement, Faya François Bruno. Non. Allez-y, quel autre parti? J'ai dit le nom du leader. J'ai dit le nom du leader. C'est le plus important, puisque les partis s'identifient. S'identifient en leur leader. J'aurais dû dire le nom du parti. Allez-y. C'est un parti que je connais. Ouais. C'est pas seulement à cause de cette alliance. C'est le contenu pour le compteur. Depuis très longtemps. Faya François Bruno, porte-parole du PDN, merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée. Oui. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Daouda Mohamed Camara, on a suivi Tamba Gaston Milmono et aussi Faya François Bruno. Apparemment, le divorce commence à prendre corps, hein, entre le FDG et certains partis de l'opposition républicaine. Oui, effectivement, je crois que ça c'était prévisible depuis très longtemps déjà, bien avant même ce cadre de dialogue qui vient de se. Depuis que c'est lui accepte le principe d'aller à ce autour de cette table. Bien avant parce que lors de la signature de cette fameuse charte qui régit le fonctionnement de l'opposition républicaine, il y a des partis ces jours. Il y avait des velléités déjà. Il y a des partis ces jours qui ont adhéré, qui ont signé, mais qui avaient des réserves. Et ces réserves, je crois, elles sont en train aujourd'hui d'être exprimées petit à petit, de se matérialiser sur le terrain. Je crois qu'il y a eu beaucoup de langues également qui ont soutenu que cette charte, au lieu d'être une charte d'une opposition dite républicaine, elle est plutôt une charte qui est de l'UFDG, parce que beaucoup ont estimé que c'est l'UFDG qui capoterait toute cette stratégie aujourd'hui d'année de certains partis qu'on estimait être petits partis. Mais si ces soi-disant petits partis aujourd'hui se rendent compte que la dynamique dans laquelle nous lançons n'est pas à notre faveur, et je crois que ces partis, le PDN d'abord a commencé par n'est même pas signé la charte, et ensuite le PDN a déclaré qu'elle ne faisait plus partie, que le parti ne faisait plus partie de l'opposition républicaine parce que les idéaux n'étant plus les mêmes. Et Dr Faya Milmono avec le BL qui ont continué à rester au sein de cette opposition républicaine qui a signé la charte et aujourd'hui se sent trahi par l'opposition, par cette opposition républicaine du fait que on a écouté le secrétaire général. Il a dit que le BL a été trahi. Il a dit que le BL a été trahi. On a écouté par exemple le secrétaire général de l'UFDG qui est Aliou Kondé qui a dit quand même qui a rappelé certains comportements même de BL. On se rappelle en 2013, et le BL a claqué la porte au Palais du Peuple. En 2015, on a vu comment le dialogue a été, le dialogue s'est poursuivi. Oui. Et aujourd'hui, on estime que c'est le BL qui, entre griffes, fait une rébellion au sein de... C'est le parti indélicat au sein de l'opposition républicaine. Mais je crois que c'est bien. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. C'est bien qu'on relève quand même des partis lorsque tout s'accorde à dire que c'est tel parti qui capote les autres partis et qu'il y a au même moment des partis dont on estime être les petits partis qui lèvent le ton pour dire attention, nous existons, même s'ils n'ont pas le même poids que tel ou tel autre parti, nous existons. La loi de la nature quand même voudrait aussi que qu'il y ait cette inégalité dans la société. Même entre les doigts, hein. Même entre les doigts. Ouais. On ne peut pas demeurer sur le terrain politique tous égaux, tous partis politiques ayant les mêmes poids. Ça ne peut pas, c'est inimaginable. Donc, ça ne veut pas dire aussi que les partis qui sont grands aujourd'hui vont le demeurer pour l'éternité. Il peut arriver que c'est des hauts et des bas. On l'a dit, la politique, c'est la météo, c'est la dynamique. Ce n'est même pas nous qui le disons, c'est eux les acteurs politiques qui le disent. Donc, l'UFDG aujourd'hui, parti numéro 1 de l'opposition aujourd'hui dans notre pays, incontestablement rien
rien n'exclut que dans 2 ans, 3 ans, que l'UFDG vole à l'éclat. Que l'UFDG ne soit plus le premier parti, le plus grand parti de l'opposition, et le RPG la même chose. Ainsi de suite, on a vu des partis qui ont été des partis État, des partis très puissants. On n'en parle même plus. On n'en parle même plus aujourd'hui. Donc il faut bien qu'il y ait des partis. Il faut bien qu'il y ait des partis, des partis qu'on appellerait aujourd'hui des petits partis, qui fasse sa preuve de persévérance, qui fasse preuve de fidélité à leurs convictions pour assurer quand même l'alternance, parce que on aime bien l'UFDG, on aime bien le RPG, on a tant aimé le PIP ou le PDG RDA, mais il va arriver un moment où c'est parti, on va se poser la question, ouf. Il faut bien qu'on arrête maintenant avec ces différents partis et qu'on voit l'alternance, qu'on voit d'autres dynamiques qui émergent. Et cela peut quand même aider à mieux cerner, à mieux cerner la marche de la politique dans notre pays. Mais si chaque matin... Et puis chaque matin, que ces grands partis soient talonnés par pour qu'ils comprennent que... Il y a de l'existence sur le terrain. Et mais je crois aussi que tous les matins qu'on s'élève, qu'on se réveille, c'est l'UFDG on entend, c'est le RPG on entend, ça ne se limite qu'à ça. Il y a trahison. Il y a trahison, on parle de l'UFDG, on parle du RPG, on parle de l'UFR. Et tous les matins, pendant 10 ans, pendant 15 ans, je crois que la nouvelle génération va vouloir que les choses changent parfois, mais il faut bien que l'UFDG, le RPG, l'UFR et d'autres grands partis comprennent que la prise de position de certains petits partis aujourd'hui, entre griffes, certains petits partis aujourd'hui n'est pas contre le parti, mais c'est pour la promotion quand même de la démocratie dans notre pays. Même si c'est comme cela, c'est vu, hein. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce qu'on déplore. Faut pas qu'on voit. Après ça, on va se tourner vers l'invité ici, dans ce studio, sur ce plateau, Diogo Baldé, responsable des opérations de la commission électorale au niveau de l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Il est également secrétaire national des TIC, technologie de l'information et de la communication, ainsi que de l'économie numérique, cumul de fonctions déjà. Avec M. Diogo Baldé, c'est que parce qu'il est d'une brillance inégalée, ou du moins, c'est parce que c'est bien de thésauriser les fonctions dans les mains d'une personne. C'est la première question. À discuter. Oui, c'est la première question, ça va être la première question. Pourquoi cumul de fonctions? Vous êtes le seul jeune brillant de l'UFDG? Qui maîtrise l'éthique? Non, bonjour, non, pas du tout. Je pense que l'UFDG est un parti qui regorge beaucoup de talents. Il y a beaucoup de personnes qui sont brillantes. La différence, c'est que la commission électorale est une commission transversale sur plusieurs secrétariats. Et en fait, le secrétariat national, c'est une responsabilité issue du Congrès, donc élective. D'accord. Donc voilà un donc peu. Donc vous avez été élu. J'ai été élu au niveau du secrétariat national, mais au niveau de la commission électorale, c'est un peu une décision du président qui met en place une commission technique qui en fait est transversale sur plusieurs secrétariats. On va dire. Votre commission, elle est-elle CENI, elle est-elle CEI, commission électorale indépendante UFDG à présent ou quoi? La commission électorale de l'UFDG, c'est une commission, ce n'est pas la CENI, c'est une commission de l'UFDG. En fait, on s'occupe de tout ce qui est processus électoral au sein de l'UFDG. C'est-à-dire, quand la CENI engage une opération sur le terrain, nous intervenons, nous mettons en mouvement toutes les structures de l'UFDG, nous les envoyons des termes de référence pour savoir comment se comporter dans le cadre de cette opération de la CENI. En même temps, nous assurons le suivi pour s'assurer en fait que les structures sont bien impliquées, que l'opération... la façon dont elle a été décrite par la CENI, elle se réalise correctement de la même manière sur le terrain. Et derrière, nous avons des rapports qui remontent. S'il y a des anomalies, nous essayons d'alerter la CENI sur telle circonscription. Et derrière aussi, nous participons à la définition de la stratégie du parti dans le cadre de tout ce qui est... On va développer cela tout à l'heure. Vous avez suivi avec nous le passage de Tamba Gaston Milmono et celui de Faya François Bruno, c'est sans embâge. C'est l'UFDG qui trahit les autres partis politiques. Pour quelle raison? Ce qui est intéressant, justement, la raison de ma présence ici, c'est aussi de rétablir une certaine vérité. Ah bon? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas forcément exactes, qui ne sont pas conformes à ce qui se fait autour du dialogue. Et donc, quand j'entends aussi les confrères du BL et du PDN dans cette sortie de ce matin, je me dis que ma présence est vraiment d'une importance capitale. Une importance vraiment capitale pour essayer de rétablir
la vérité auprès des citoyens, auprès des militants de l'UFDG. Parce qu'il y a mensonge. Non, je vais revenir sur certains. Par exemple, quand je prends ce que vient de dire M. Gaston du BL, M. Gaston Militeux, il dit que M. Faya Minimono s'est retiré parce qu'il n'est pas d'accord. Donc, il faut rappeler que M. Faya Minimono ne s'est pas retiré suite à la proposition sur l'organisation des élections communales et de districts, c'est-à-dire parti local. Il s'est retiré plus tôt quand il s'agit de la question de la réforme de la loi 016 sur la CENI. Parce qu'il estimait en fait qu'il fallait que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la session du budget actuel. Et derrière, la majorité de la délégation de l'opposition républicaine était d'accord pour que ça soit pour qu'elle soit inscrite au niveau de la session des lois. La session des lois. Donc, la démocratie. Au mois d'avril. Et lui, il avait souhaité que ça se fasse maintenant, puisque nous sommes dans la session, ordinaire du budget. Oui. Et sachant que la session du budget, ce n'est pas la session du loi. On regarde la loi des finances, la loi rectificative, et on a accepté d'inscrire la révision du code électoral pendant cette session, du budget. Oui. Donc, derrière, l'ensemble des autres partis étaient d'accord pour accepter cela. Il était en minorité. La démocratie, c'est malheureusement ça aussi. Il fallait accepter. Et lui, il voulait qu'on revienne à l'opposition, à la plénière de l'opposition républicaine pour redécider. Donc ce n'est pas fondamentalement parce qu'il était en désaccord sur la proposition sur les élections communales et locales, mais c'est plutôt sur la forme qu'il était en désaccord. Et là aussi, il faut le dire, sur cette proposition, il a participé à la rédaction des conclusions de l'accord sur cette question. Donc, quelque part, il était partie prenante de cet accord. Mais lorsque, avant de vous laisser continuer, lorsque vous parlez, par exemple, de la loi L016, il y a quand même une autre position qui a été affichée par Dr Faya Minimono, c'est bien autour du couplage des élections. Donc, c'est important de... Pas Gaston l'a dit tout à l'heure. Oui, il en a dit. Moi, j'ai l'impression qu'il comprend pas c'est quoi le couplage ou le découplage. Je suis désolé de le dire, parce que le couplage, c'est de faire les choses en même temps, faire les élections communales et les locales en même temps. C'est élémentaire, quand même. Mais c'est ce qui est proposé aujourd'hui. C'est-à-dire, Ce qui est proposé, faire les communales et à partir des résultats. Des communales. Mais c'est pas la même chose quand même. Laissez-moi finir. Le couple, ça se fait en même temps. Couple les deux. Non. C'est couplé. Non. Non, je vais venir. Par exemple, il nous dit c'est pour économiser de l'argent. Que eux, ils souhaitent le couplage pour économiser de l'argent. C'est-à-dire, le découplage, c'est par exemple organiser une élection. Aujourd'hui, l'élection communale. Pour le même jour. Comme on l'a vu par exemple, même jour, avec l'union nominale et la proportionnelle. Ça veut dire que déjà on a deux urnes. Ça veut dire derrière qu'on a une liste par circonscription électorale pour les quartiers et districts. Je rappelle qu'il y a plus de 3800 quartiers et districts plus les 342 communes. Ça fait à peu près 4100 communes. Ça veut dire que vous aurez au moins dans chaque circonscription des quartiers et des districts, deux listes, celle des communes et celle du quartier et district. Ça fait à peu près 8000 listes. Multiplié, si vous avez 5 listes pour chaque quartier et commune, ça vous fait facilement dans les 20000 listes. Sans compter les candidatures indépendantes. Imaginez la logistique qu'il faut mettre en place. Et je rappelle derrière aussi, au niveau de chaque circonscription électorale, il faut une centralisation. Donc, quand vous faites... Non, mais c'est ça va de soi, vous me direz. Ça va de soi. Ça va de soi. Donc, chaque CACV doit être présidé par un magistrat. Ça veut dire que dans les 4100 circonscriptions, il vous faut 4100 magistrats. Aujourd'hui, la Guinée n'a pas plus de 500 magistrats. Ça veut dire que derrière, nous sommes incapables d'avoir un magistrat par circonscription électorale. Ce sont tous ces éléments-là qui ont été mis sur la table par le gouvernement, par la CENI, par les partenaires techniques et financiers pour dire essayons de trouver une autre solution pour arriver à résoudre ce problème. Et derrière, les partenaires techniques et financiers ont rappelé aussi que dans la sous-région, il y a un benchmark qui a été fait dans la sous-région pour regarder ce qui se fait à côté. Et presque dans toute la sous-région, en fait, les quartiers et districts sont nommés.
par le mais c'est quand même ce que dit notre texte de loi. C'est pas parce que on va revenir ça ne se passe pas au Libéria, ça ne se passe pas en Sierra Leone, que nous notre texte de loi dit ça et qu'on dise que non, ça se passe pas chez les autres. C'était la position de la délégation de l'opposition républicaine. Nous sommes venus pour dire que les textes de loi de la Guinée sont clairs là-dessus. Nous, nos quartiers districts doivent être dirigés par des conseils élus. Il faut qu'on ait des élus. La mouvance, par contre, c'est ça qu'il faut proposer. La mouvance était dans une position de dire qu'il faut nommer les chefs de quartier de district. Donc il faut bien comprendre la question. Non, elle n'a pas réussi. Ouais. On nomme pas les chefs de quartier. On les désigne. On reviendra dessus. On reviendra dessus, mais ce que je suis en train de dire, c'est que derrière, nous avions en face un camp qui proposait de nommer les chefs de quartier de district, comme cela a été fait depuis 91, parce que les dernières élections de quartier de district datent de 91, et derrière, une opposition républicaine qui demandait à ce qu'on organise les élections des quartiers et districts séparément. Et je rappelle encore, M. Condé l'a déjà fait, qu'aucune loi de ce pays nous dit qu'il faut un couplage de ces élections. Cela est d'autant vrai que les élections des conseils communaux ont un mandat de 5 ans et ceux des quartiers et districts ont un mandat de 4 ans. Donc derrière, on ne pouvait pas systématiquement les coupler. Donc nous sommes venus dans cette situation. Et quand vous êtes dans le cadre d'une négociation, il faut quand même des concessions. Monsieur Diogo, s'il vous plaît, parce que quand on écoute aujourd'hui beaucoup de déclarations, c'est que l'UFDG, le RPG, c'est-à-dire les partis quand même, les partis phares de ces cadre de dialogue, ont plutôt préféré privilégier leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt national, de l'intérêt des citoyens. En foulant au pied le texte de loi. C'est là l'intérêt de la nation, parce que si les textes de loi sont foulés au sol. Alors, vous dites que on ne peut pas coupler, mais les textes de loi disent quand même que les élections à la base, les élections communales et de district, c'est pour les citoyens, ce n'est pas pour les partis politiques. Est-ce que vous ne vous trouvez pas aujourd'hui dans une dynamique de trahison de cette loi qui dit que les quartiers, les districts ne vous concernent pas? Ce n'est pas votre élection, c'est l'élection des citoyens. Et aujourd'hui, vous voulez les capoter, vous voulez les avoir, vous voulez les mettre là. Parce que vous n'allez pas accepter que je dise les nommer, vous allez les désigner. Ce sont les politiques qui seront là. Est-ce que vous n'êtes pas dans une dynamique de trahison? C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit qu'il faut rétablir la vérité. Il y a beaucoup de choses qui se disent... Tournez bien le micro. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas exactes. Ce que vous dites là, c'est l'article 109 du code électoral qui dit simplement, je vous lis l'article, aucun candidat ou liste de candidats ne doit faire campagne sous le couvert d'un parti politique ou de toute autre organisation gouvernementale ou non gouvernementale. L'article est clair. L'article ne dit pas qu'un citoyen militant ou sympathisant d'un parti politique ne peut pas être candidat dans un conseil de quartier ou un conseil de... Lorsqu'il n'est pas sous le label d'un parti politique, il n'est pas militant. C'est un citoyen. Voilà. Donc, à partir du moment où moi, Diogo Baldé, même en tant qu'étant membre de l'UFDG, si je décide de porter une liste de candidatures indépendantes au nom de Diogo Baldé, j'ai le droit. La constitution est claire dessus. Les citoyens naissent libres. Ce que vous avez lu est très clair. Ce qui est interdit, il faut le préciser, ce qui est interdit, c'est de faire campagne sous le label d'un parti politique ou d'une organisation gouvernementale. C'est très clair. Donc, ce que vous êtes en train de dire, justement, qu'on est en train de caporaliser. Non, on ne caporalise pas. Je veux dire, par exemple, nous, à l'UFDG... Laissez-moi finir. Comme dans tout parti politique, si on organise une élection, par exemple, à Matoto Fassa, élection du quartier de Matoto Fassa, on va demander au notre secrétaire général de section, au comité de base qui est sur place, de porter une liste de candidatures. Vous n'allez pas dire qu'il viole la loi parce qu'il est un citoyen d'abord. C'est pas parce qu'il est militant de l'UFDG qu'il n'a pas le droit. Il faut que la vérité soit claire. C'est important de rétablir la vérité juste pour dire que les membres des partis politiques peuvent valablement Tout ça est très clair. Vous avez lu, c'est le français, il est très clair, limpide de même. Aucune candidature sous le label d'un parti politique, d'une organisation gouvernementale ou non gouvernementale. C'est clair. Lorsque vous arrivez, c'est Diogo qui vient, ce n'est pas l'UFDG, ce n'est pas l'UFR qui vient. Donc ça, c'est clair.
Lorsque maintenant les élections communales sont faites, les résultats sont transposés dans les quartiers, parce que c'est ce qui arrive. Mm-hmm. La désignation au prorata des élections, des résultats des communales. Mm-hmm. Est-ce que c'est Diogo qui est là ou c'est l'UFDG qui est là à ce moment? Bah, ça, on va le repréciser. Je préfère encore réexpliquer parce qu'il faut beaucoup de pédagogie. Je vais répondre à la question, mais je vais d'abord réexpliquer aux citoyens pour que les gens comprennent fondamentalement ce qui est proposé. Mmh. Ce qui est proposé, étant donné toute la complexité logistique, humaine et financière que requiert l'organisation de ces districts et quartiers, il a été proposé de prendre les résultats des communales. Donc on va organiser les élections communales et dans chaque quartier, il y aura des listes de partis politiques et de candidatures indépendantes. Mmh. Les élections communales permettre les candidatures indépendantes. Donc si vous, monsieur Camara, vous souhaitez être, par exemple, candidat dans votre quartier, vous pouvez faire une liste et déposer à la commune et faire campagne que dans votre quartier. Je reviens, je laisse ma fin. Allez jusqu'au bout de mes idées. Laissez-moi finir. Allez-y. Donc à ce moment-là, quand on va avoir les résultats des élections communales, on va regarder dans votre quartier de Koulewondi en ville, quel est le prorata de chaque liste. Si M. Camara a eu 30% dans le quartier, je parle juste des résultats du quartier, il aura 3% des conseillers du quartier. Si un autre parti politique a 20%, il aura 20% des conseillers du quartier. C'est très clair. Donc si vous, c'est que le quartier de Koulewondi qui vous intéresse, vous déposez une liste au niveau de la commune de Kaloum, mais vous faites campagne que dans le quartier de Koulewondi, et ça n'exclut aucunement un citoyen lambda qui veut être candidat dans ce quartier. Monsieur Diogo, vous êtes bien dans votre dynamique. Non, c'est important de repréciser parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans votre dynamique. Vous êtes bien dans votre dynamique de me convaincre ou de convaincre d'autres pour dire que la dynamique dans laquelle nous allons, nous sommes bien dans la dynamique de couplage. C'est du couplage. Alors que ce n'est vraiment pas du couplage. Du couplage, monsieur Diogo. Peut-être on a une façon de comprendre le français différente. Oui, c'est vrai. Mais là, monsieur Diogo, les élections, quand on dit, quand même les textes des lois sont clairs là-dessus, il y a le caractère secret, il y a le caractère ici qui n'est vraiment pas, il y a un caractère qui n'est pas vraiment politique, un caractère citoyen de l'autre côté. Comment voulez-vous dire que les élections, lorsque vous battez campagne dans votre quartier et uniquement, alors qu'au même moment, il y a des partis politiques qui, quand même, ont une certaine force, qui peuvent avoir plus de voix que vous. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de réduire la chance des autres qui ne sont pas, qui viennent, qui n'appartiennent même pas à un parti politique? Monsieur Camara, si au niveau communal, par exemple, dans ce qui est proposé ici, un parti politique vous bat, si vous organisez les mêmes élections avec une différente dans le quartier, nous allons vous battre. C'est-à-dire la liste que notre secrétaire général ou notre président de comité de base va conduire va vous battre. Mm-hmm. Parce qu'il aura peut-être plus de travail à faire. C'est la même chose. Fondamentalement, on arrive au même résultat. Ce que je vais expliquer pour finir là-dessus. Oui. Les gens disent qu'on a violé la Constitution. Et la Constitution n'a aucunement été violée. Les gens parlent de l'article 2 de la Constitution qui dit que le vote est universel, secret et direct. Je pense qu'il est important de revenir dessus. Parce que ce qui est proposé aujourd'hui, on ne nomme pas les chefs de quartier. On les désigne. On les désigne sur une liste. C'est-à-dire, si vous êtes candidat, vous allez désigner la liste des personnes qui sont candidats pour vous dans une commune. C'est même l'article 1 du code électoral. Hein. L'article 2 de la Constitution. C'est l'article 1 du code électoral. D'accord. Donc, suffrage universel, direct, égal et secret. Et secret. Donc, là-dessus, il n'y a pas de nomination. On se base sur les résultats des votes. C'est-à-dire, ce que les citoyens ont voté, leur vote dans un quartier, c'est ce vote-là qui va donner la répartition des conseillers au niveau de ce quartier. Donc il n'y a aucune violation là-dessus. Par contre, on va évoluer. Par contre, la distance sur le code électoral, il faut déjà comprendre que le code électoral
pose à des anomalies. Toutes les missions d'observation depuis les élections de 2013 qui sont venues en Guinée ont indiqué que le corps électoral a relevé ces anomalies-là. Oui. Notamment, aujourd'hui, la Constitution dit que le vote est secret et derrière, dans le code électoral, dans son article 100, il est dit que les conseillers sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Et on précise dans l'article 102, pour le scrutin uninominal à un tour, le vote se fait à main levée ou par alignement. Donc, le caractère secret du vote n'est plus valable. Oui, mais donc, là-dessus, il fallait le revoir. L'article 1 du code électoral et les articles 100 et 102 sont contradictoires. Sinon, justement, l'article 1 du code électoral, il est clair. Ce que je suis en train de dire... universel, direct, égal et secret. Je vais en venir. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans tous les cas, la révision de ce code électoral s'imposait depuis quelque temps. Et donc, nous, l'accord, ce qui sort de cet accord, va aussi être proposé sur la table du Parlement pour que le Parlement légifère là-dessus. L'examine et légifère pour que toutes ces anomalies soient corrigées pour qu'on mette en conformité ce code électoral avec le Parlement. Donc, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de violation fondamentale de la loi. Les gens disent des choses qui ne sont pas exactes. Parce pourquoi vous avez trahi le BL notamment? Nous, l'UFDG, on n'a pas trahi. Nous avons mis en place une délégation composée de plusieurs partis de l'opposition républicaine et même des partis qui ne sont pas de l'opposition républicaine comme le BL. Ils sont allés défendre des positions. Le BL n'est pas... Pardon, le PDN, je voulais dire. Et à chaque fois qu'il revenait, on se retrouvait en plénière, mais vraiment la plénière de l'opposition républicaine. C'est vous qui avez mis le PDN sur la liste? Non, le PDN a été invité au dialogue, mais on travaillait ensemble. Oui, c'est-à-dire la délégation de l'opposition républicaine travaillait avec les représentants du PDN, mais c'est ce qui était présent. Donc, fondamentalement, nous n'avons pas trahi, mais nous avons estimé que dans toute organisation, c'est la démocratie. Si une majorité se prononce pour une position, il appartient à la minorité de céder. C'est ça aussi la démocratie. Une majorité de partis a décidé... Pourtant, votre démarche, ce n'est pas cela. Hein. C'est pour sévrer les petits partis. Je vais vous dire, monsieur Condé, allez-y. Ça fait des années qu'on se bat pour un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, ce qui est sorti de l'accord n'est pas parfait, mais il y a des avancées. Ouais, il faut le reconnaître. C'est une évidence, Quand on parle de l'indemnisation des victimes, j'ai entendu monsieur Faya Bruno dire tout à l'heure que c'est un recul. Pour la première fois, on a décidé de mettre en place des fonds. Deux fonds, un pour justement indemniser. Quand tu parles de recul, c'est parce que c'est un principe sélectif. On ne parle que de 2013. Partir de 2013. Non, 2013. À partir de 2013. C'est 2013. Hein, bon, on ne revient pas sur le même. Voilà. C'est à partir de 2013. Mais ce qu'on est en train de dire là-dessus, c'est que les fonds sont disponibles et les partenaires techniques et financiers sont impliqués dans le fonds. Il y aura des entités comme l'OGDH, le Haut Commissariat des Droits de l'Homme, le PNUD, qui seront impliqués dans la gestion de ces fonds pour identifier les personnes qui ont été victimes. Les réelles victimes. Donc, c'est quand même une avancée. Nous avons des prisonniers politiques dans ce pays qui ont été attrapés et injustement condamnés depuis les élections présidentielles de 2015. Aujourd'hui, ces personnes vont être libérées à l'issue du dialogue. C'est quand même une avancée. Vous ne pouvez pas dire que tout ce qui a été dit et fait dans cet accord, c'est un recul. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On recherche le parfait. On n'y est pas encore. Mais la déjà, perfection, c'est à l'infini. Exactement. Il y a quand même une avancée qu'on ne peut pas nier au sorti de ce dialogue. Il veut répliquer, il écoute cette émission avec beaucoup d'attention. C'est bien, Faya François Bruno, fait très rare, hein, Daouda Mohamed Camara, c'est qu'on accorde aux gens. Mais le droit de réponse, il est garanti sur cette antenne, la radio Chérie FM et la télévision Africa Today. Faya François Bruno, qu'est-ce que vous êtes, vous nous suivez en ce moment? Je vous suis très bien, voilà. Vous avez certainement des passages sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Oui, on n'est pas d'accord. Premièrement, lorsqu'on dit que, on veut prendre l'exemple sur les pays voisins pour dire que là-bas, les chefs de quartier, les présidents des districts sont nommés et qu'on veut s'inspirer de ça pour appliquer le même modèle chez nous, je suis désolé. Je crois que si on veut prendre un exemple chez un voisin, on prend le bon exemple. Je suis d'accord. La Guinée, alors, est en avance par rapport à cela parce qu'il y a toujours eu l'élection des présidents de district chez nous. Mon père a été président de district. Je crois que M. Daouda ne dira pas le contraire. Bien sûr. On a voté pour lui. À l'époque, le vote se faisait par alignement. En quelle année? C'était en 91. Vous avez, 91, il faut le préciser. 94, c'est pas en 91. Ça a été élu en 94, à Guélo. Donc, les gens sont alignés derrière lui. Aujourd'hui, la seule chose qui a été modifiée
c'est par rapport au mode de scrutin, c'est-à-dire au mode opératoire. Maintenant, nos textes de loi prévoient un scrutin à bulletin secret. Il faut que cela soit respecté. Et deuxièmement, je suis désolé d'entendre que la loi ne précise pas le couplage des élections ou ne précise pas que le chef de quartier, le président des districts doit être élu. Je suis désolé. Lisez les articles 98, 99 jusqu'à 115. Le couplage n'est pas précisé par la loi. Par contre, la loi dit que les quartiers districts sont bien dirigés par des conseils élus. On est d'accord là-dessus? Élus, oui, je suis d'accord. Je rappelle cela. Daouda Kamara va vous lire l'article 98 d'abord. Allez-y, Daouda. La question. Non, Faye François Bruno, vous allez suivre le contenu de l'article 98. On dit conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution qui dispose que la création des collectivités locales et leur réorganisation relèvent du domaine de la loi, mais districts et les quartiers sont des sections des collectivités locales. À ce titre, elles s'administrent par des conseils élus. Voilà qui est bien dit. Oui. On va évoluer. Oui. Faye François Bruno. Donc, je rappelais ça. Vous pouvez continuer tous les articles qui suivent par un autre article, Daouda. Opératoire. Oui, l'article 100. L'article 100, Daouda. L'article 100 qui dit. Nous avons tout l'arsenal ici. Hein. Vous ne pouvez plus nous berner. Allez-y, Daouda. Non, mais attendez, M. Condé. Avant que M. Daouda ne lise, oui. Attendez. Personne ne vous berne. Ce que je voulais dire. Non, quand je dis les acteurs politiques, hein, toutes tendances confondues. Allez-y, Daouda. Je veux dire simplement, ce que je voulais dire, c'est que. La gestion désormais des collectivités au niveau des quartiers et districts est confiée à des membres, n'est-ce pas, à des conseils élus. Et j'ai dit, les dispositions dans ce cadre-là sont prévues par ces articles dont je vous ai cité. Ouais. L'article 5 qui dit. Les conseillers sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour pour les districts, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour les quartiers. Ça, c'est l'article 100 qui le dit. Et la 102 qui dit, effectivement, que pour le scrutin uninominal à un tour, le vote se fait à main levée. Mais je n'ai pas de contradiction particulière avec M. Bourounou sur le fait que les conseils sont élus. On va le laisser. François Bourounou, c'est terminé. Non, c'est pas fini. Oui, très je rapidement. Je voulais finir ce premier aspect pour dire que vous avez une minute maintenant. Pas hein. De bon exemple. Et deuxièmement, c'était pour rappeler que les conseils sont désormais élus. Et la disposition prévue par l'accord actuel viole l'esprit de ces articles dont vous citez. D'accord. Parce que effectivement, tel que stipulé dans l'accord politique actuel, c'est comme si les directions des quartiers seront confiées aux candidats présentés par des partis politiques. Voilà qui est bien dit. Faye François Bruno, peut-être qu'on va vous recevoir ici dans ce studio pour débattre de tout cela avec vous aussi. Merci d'être revenu dans cette émission. Juste une réaction là-dessus. Oui, oui, vous allez commenter le passage de Faye François Bruno. Vous êtes libre, allez-y. Donc, juste là-dessus, je vais commencer par ce qu'ils viennent de dire en dernier, que les conseillers sont élus par les partis politiques. Non, si une candidature indépendante présente sa liste, ce qui est permis au niveau des communes, ben si elle gagne le quartier, elle va diriger le quartier. Et c'est pour ça que je dis encore, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui sont inexactes. Là, ça met une preuve. Ils viennent de dire que ce sera les partis politiques. Et ce qui est marrant dans ça, c'est que jusqu'à maintenant, depuis 91, parce que je précise, les dernières élections de quartier et de district ont eu lieu en 91. Quand on nous dit que ça a toujours eu lieu, ça fait quand même 23 ans, quoi, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça fait 23 ans qu'on n'a pas organisé d'élection là-dessus. Et pour une les fois que ça a eu lieu, quand même. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Depuis, je crois, l'arrivée de la Deuxième République, c'est une seule fois. Donc fondamentalement, il faut revenir à ça. Il y a une proposition qui est sur la table qui nous permet d'avoir des conseils élus qui peuvent être des listes de personnes, soit issues de partis politiques ou issues de candidatures indépendantes. C'est quand même une avancée. Et derrière, on dit encore que la loi n'est pas parfaite là-dessus. Et que derrière, c'est pour ça qu'on a dit l'accord va être soumis à l'Assemblée nationale pour qu'on ait une cohérence
entre les différents textes de loi de ce pays. Et derrière, sur le couplage, encore une fois, j'insiste, il n'y a aucun article de la loi, fût-il la Constitution ou le Code électoral, qui précise qu'il faut du couplage. Et cela n'est pas techniquement possible dans la mesure où le mandat des quartiers et districts, c'est 4 ans, et celui des locales, c'est 5 ans. De la création d'une prochaine alliance, toujours au niveau de l'opposition, est-ce que cela ne va pas affaiblir l'UFDG, qui est quand même le moteur de cette opposition? L'UFDG est un parti fort. Nous avons besoin d'alliés. Je vais vous dire, force à l'infini. D'accord. On est en train de se renforcer. On a besoin de partis alliés. Mais fondamentalement sur cette question, je préfère ne pas me prononcer parce que c'est très récent. On en parle d'aujourd'hui. Je pense que ça reviendra au niveau de la plénière de l'opposition républicaine et des personnes qui sont mieux indiquées que moi se prononceront sur cette question. L'invité ici dans ce studio sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est bien Diogo Baldé, responsable des opérations de la commission électorale au niveau de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il est également secrétaire national d'éthique, technologie de l'information et de la communication ainsi que de l'économie numérique au sein du même parti. Daouda, deuxième point de l'heure du jour. Oui, c'est bien autour des TIC aujourd'hui au sein de l'UFDG. Comment fonctionne cette structure? Disons que le secrétariat national, d'abord au sein de l'UFDG, c'est une entité à la fois politique et technique, c'est-à-dire ce sont des entités qui sont issues du Congrès. Il y a 40 secrétariats nationaux et derrière qui s'occupent à la fois d'abord de tout ce qui est éthique au sein du parti, ça veut dire proposer une politique des technologies de l'information et de la communication et de l'économie numérique au sein du parti. Mettre en place des projets liés à ce secteur-là au sein du parti et derrière aussi pouvoir challenger le projet du gouvernement sur ces questions. Donc c'est ça essentiellement le rôle de ce secrétariat. Mmh. Aujourd'hui nous avons des projets en interne, par exemple la mise en place de cyber IT pour les citoyens dans différents quartiers de la capitale, notamment sur l'axe où on estime que les militants sont très abandonnés, il n'y a même pas de lycée, donc ça permettra d'occuper, de créer un peu d'emplois dans ces secteurs-là et aussi de former les différents citoyens guinéens. Nous avons aussi d'autres projets sur internes au parti, on ne va pas dévoiler tout ça ici, mais nous avons plein de petits projets dans le parti. Il n'y a pas de langue de pour notamment équiper nos fédérations, pour que dans chaque fédération qu'on ait un ordinateur, une imprimante, un informaticien, une clé internet pour pouvoir mailler véritablement tout le parti au niveau national et aussi permettre un certain nombre de facilités en termes de communication, que ce soit, nous avons souvent nos responsables ou nos élus qui sont à l'extérieur pour qu'on puisse demain faire des réunions avec tout le monde, par vidéoconférence. Donc on a beaucoup de projets dans ça, les radios aussi, on a des projets pour la mise en place des radios online sur le web, il y en a qui existent, mais de pouvoir les améliorer. Donc il y a beaucoup de projets dans ce cadre-là. Est-ce que c'est une innovation ou bien à partir du dernier congrès ou bien cela, c'est une structure qui existait par le passé? En fait, il y a plusieurs secrétariats nationaux qui existaient. On est 40, il y avait une trentaine qui existaient. Le nôtre existe depuis le dernier congrès de 2015. Et quand on parle souvent des TIC, c'est les réseaux sociaux, c'est le site spécial du parti. Concrètement, comment ça fonctionne à ce niveau? Puisque quand on va sur les réseaux sociaux, l'UFDG, c'est l'un des partis quand même qui est très présent. C'est un peu de tout ça. Les réseaux sociaux en font partie. Nous avons des équipes avec qui nous travaillons, qui relèvent du secrétariat communication, mais avec qui nous travaillons quand ils ont des besoins spécifiques sur l'éthique, ils nous font la demande. Donc soit on développe des modules, on a plusieurs cadres qui travaillent avec nous, qui évoluent soit dans le privé, mais qui sont avec dans nous, qui sont dans l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui sont soit spécialisés dans les réseaux, dans les télécommunications, dans le développement, donc qui ont des capacités techniques qu'ils ont déjà prouvées dans le secteur privé et qui mettent à disposition ces capacités aux partis et qui développent des petits modules pour nous permettre d'avancer, de satisfaire la communication. Mais c'est aussi derrière de pouvoir challenger le gouvernement sur ces questions. Quand on entend le président ou le secrétaire général se prononcer sur des questions liées aux télécommunications ou aux nouvelles technologies de l'information, nous préparons les éléments de langage liés à ces interventions sur les domaines TIC spécifiques. Quand on revoit le projet de société du parti ou le programme de gouvernance, là-dessus aussi, le secrétariat national intervient pour pouvoir apporter sa contribution. Alors, aujourd'hui, on sait que le défi, il est numérique aujourd'hui.
aujourd'hui dans le pays ou dans le monde entier. Le gouvernement de Mamadi Youla est très engagé dans ce sens. Aujourd'hui, quelle défaillance vous relevez lorsque vous observez les activités? On parle de backbone, on parle de fibre optique, on parle de beaucoup de choses. Quelle défaillance vous relevez aujourd'hui? L'atterrissement du câble sous-marin. Bon, y a un certain nombre de choses qu'il faille apprécier. L'arrivée du câble sous-marin, ouais. Il faut quand même le dire que ce n'était pas un projet qui arrive avec ce nouveau gouvernement. C'est un projet qui date de plusieurs années. Oui, mais l'exécution. L'exécution, c'est bien. Et ce n'est pas forcément le gouvernement qui l'exécute. Non, ce n'est pas qui le fait. Non, je dis que c'est une bonne chose. J'ai commencé par dire que c'est une bonne chose. Il y a un premier câble qui était déjà passé autour de nos côtes, qui n'est pas rentré en Guinée. C'est le deuxième câble qui arrive chez nous, c'est là qu'on s'est connecté, c'est une très bonne chose pour développer le numérique en Guinée. Mmh. Mais il y a encore un réel progrès à faire. Aujourd'hui, tous les Guinéens savent que pour se connecter à Internet, il y a un vrai problème. Au niveau des opérateurs, il y a une régulation qui n'est pas là. Tout le monde se plaint des tarifs. Justement, je pense que là, il y a un travail à faire. Au niveau de la RPT, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en termes de régulation. Je pense qu'il faut par exemple, des opérateurs qui, derrière, proposent des choses, des tarifs qui ne correspondent pas ou qui augmentent du jour au lendemain leurs tarifs. Des citoyens qui acceptent des crédits qui, finalement, ne sont pas correctement utilisés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans le cadre du fonctionnement de la régulation. Pourtant, la communication coûte moins cher en Guinée que dans les pays de la sous-région, c'est une évidence. Mais fondamentalement, je pense que vous n'êtes pas seul à recevoir des appels de l'extérieur et que vous vous rendez compte que c'est un numéro qui s'affiche. Donc ça, c'est un réel problème parce que ça veut dire que c'est de la fraude, c'est des taxes à moins pour l'État. Mmh. Et je pense que l'ARPT est là aussi pour essayer de régler ces problèmes. Et quand avant on parlait du ministère des Postes et Télécommunications, maintenant on parle de l'économie numérique. Au niveau du parti aussi, vous parlez de l'économie numérique. Est-ce à dire que à travers ce secrétariat, il y a des fonds à générer pour l'UFDG? Non, ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, l'économie numérique est un secteur en plein boom, en plein développement. L'économie numérique, c'est tout ce qui est économie qui est lié au TIC. Mmh. Ça peut être fondamentalement des activités du secteur de télécom ou de l'informatique, mais ça peut être aussi d'autres secteurs qui utilisent les technologies de l'information, comme les banques et assurances, comme les médias, ouais. Comme plein d'autres secteurs où il y a une vraie économie à gérer. Et quand on est fondamentalement visionnaire, quand on est à la prospective et qu'on imagine, on peut trouver plein d'entrées d'argent pour ce pays à travers les technologies de l'information et de la communication. Et c'est la raison même de l'économie numérique qu'il faut être à l'avant-garde là-dessus. Il y a des pays qui sont très avancés comme le Kenya là-dessus, le Rwanda. Et je pense qu'il est important que la Guinée aussi puisse s'inscrire là-dedans. Et puisque le bureau exécutif d'un parti, ça a l'image d'un gouvernement, si on peut le dire comme ça, c'est le gouvernement à miniature au niveau du parti politique. Est-ce que l'éthique permet de faire fonctionner l'UFDG ou permet de générer quelques fonds pour le parti? Par exemple, quand le parti lance les levées de fonds, est-ce que parfois on passe par l'éthique pour les virements bancaires? Bah écoutez, au-delà même de ça d'abord, c'est que c'est quelque chose d'assez utilisé. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais aujourd'hui, les TIC nous servent véritablement dans nos communications en interne comme en externe. Ça nous permet de toucher très rapidement les fédérations qui sont à l'étranger. Quand il y a une information qui passe, ça nous permet fondamentalement de les mettre au même niveau d'information que les fédérations à l'intérieur du pays. Et comme ça nous fait, ça apporte aussi une réduction des coûts en termes d'impression des papiers qu'on imprimait ici pour mettre dans des données à des syndicats ou des transporteurs envoyés à Yomou aujourd'hui. À la minute ou voire à la seconde, on envoie ça, notre secrétaire fédéral à Yomou ou à Sigiri reçoit ça au même moment que celui qui est à Matam ou à Kaloum. Donc c'est quand même une grande avancée. Des avancées réelles. Et derrière aussi, pour la remontée même des résultats après les votes, aujourd'hui nous sommes capables de remonter des résultats plus rapidement que la CENI parce que nous équipons nos fédérations et nos sections à l'extérieur qui nous remontent les PV très rapidement. Comment vous pouvez être plus rapide que la CENI? Parce qu'on est plus équipé, certainement plus compétent, parce que tout le monde souffre de l'incompétence et de la mauvaise foi de la CENI. Allez-y, Daouda. Ma question, elle n'a pas été répondue. C'est bien autour d'aujourd'hui du numérique que je parlais de backbone et beaucoup d'autres activités engagées. Et le plus souvent, c'est à l'arrivée qu'on dit que rien n'a réussi, il y a eu échec. Est-ce qu'aujourd'hui, ces activités numériques qui sont engagées, vous dites que vous venez un peu pour challenger un peu les actions du gouvernement,
Quelle défaillance, je reviens encore là-dessus, que vous relevez aujourd'hui. Pas les succès, mais qu'est-ce que vous projetez aujourd'hui comme échec dans ces activités? Par exemple, sur le domaine d'éthique, notre gouvernement est beaucoup en retard. Mm-hmm. Par exemple, quand vous arrivez en conseil des ministres aujourd'hui en Guinée, vous avez tous les ministres, un ministre qui prépare un projet, il va l'imprimer et remettre aux autres membres du gouvernement. Mm-hmm. Nous, à l'UFDG, quand il y a des projets comme ça, le quand on va arriver... C'est ça, en fait. Ça, c'est chaque la première, c'est la première avancée. Mais on voit pas, ils n'utilisent pas. Ils utilisent. Le président les a sommés. Laissez-moi finir. À chacun maintenant. Il l'a sommé. Donc, chacun... Mais fondamentalement, oui. Ça, c'est une première avancée. Chaque ministre peut avoir son iPad ou son ordinateur et avoir tous les projets sur sa machine. Donc, derrière, ça nous apporte une économie, ne serait-ce qu'en termes d'impression, ouais. On est plus réactif et on peut apporter ces modifications directement sur les documents. Non, premier élément. Deuxième élément, au niveau du gouvernement, quand vous allez voir les gens, ils vont vous dire le gouvernement est connecté. Le gouvernement est connecté. Ma question n'est pas à ce niveau. Non, mais c'est. On parle d'éthique, la modernisation de l'administration. Vous allez dire demain, par exemple, que le backbone, c'est un échec. C'est un échec parce qu'il y a eu tel, il y a eu tel. Pourtant, en ce moment même, les activités sont en cours. Qu'est-ce que vous préconisez? Je vais vous dire sur ma position parce que vous voulez que je revienne sur le backbone. Mais sur le backbone, c'est bien qu'on le mette en place, mais on trouve qu'il se met en place avec une lenteur, mais... Qui ne dit pas son nom. Mmh. Quand on prend des gens avec des pelles et des marteaux piques, pas des marteaux piques, avec des picasses pour creuser... Nous avons un véritable problème. Si on veut mettre en... Aujourd'hui, nous avons besoin extrêmement rapidement d'être opérationnel en termes de fibre optique. Donc derrière, on peut prendre fondamentalement des engins roulants pour creuser et faire passer les backbones extrêmement rapidement. Et on aurait pu derrière sur les pylônes qui étaient utilisés. Depuis très longtemps, si on était vraiment visionnaire, faire passer les câbles de fibre optique, c'est maintenant qu'on est en train de le faire. Mami Diaby était dans ce studio récemment. Et il est revenu. Lorsque vous parlez, par exemple, des pelles et pécasses qui sont utilisées par des jeunes, il a également soutenu à ce niveau qu'il faut donner de l'emploi, même si c'est un emploi temporaire, à certains jeunes quand même. Oui, mais c'est... Mais encore une fois, c'est là où nous avons une différence avec ce gouvernement. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas un emploi comme ça qu'on va offrir aux jeunes. Offrez aux jeunes des emplois décents. Mmh. Faites confiance à une société locale qui utilise du matériel de dernière génération, qui va embaucher des personnes et qui va les former. Parce que ce citoyen-là qui aura la compétence d'utiliser cette machine, derrière, il va pouvoir se vendre sur d'autres marchés ici ou ailleurs. Donc c'est extrêmement important. La pelle ou la Pega, c'est aucune compétence derrière. Vous offrez aucune compétence à ce jeune-là qui est dans le projet. Et au niveau de la commission électorale, vous gérez la commission électorale au niveau de votre parti. Quel rôle vous faites concrètement? Est-ce que vous êtes à cheval entre le parti et la CENI? Ou du moins, comme vous l'avez dit, c'est la centralisation, la remontée des données quand il y a élection? Non, nous, on est la commission électorale, on est focus exclusivement pour l'UFDG. Derrière, on a un contact permanent avec les gens de la CENI, mais on essaie d'abord de mobiliser, de mettre en mouvement les structures du parti. On a ce qu'on appelle des commissions électorales locales au niveau des fédérations, au niveau des sections, mm-hmm. qu'on met en mouvement. Par exemple, récemment, il y avait une relocalisation des électeurs dans les bureaux de vote. Mm-hmm. Donc, on conçoit au niveau national des termes de référence pour dire à nos structures, voilà comment vous devez vous comporter, voilà les éléments auxquels il faut faire attention, voilà les rapports que nous avons attendus. On conçoit des modèles, des templates, on les envoie sur le terrain et derrière, nous partageons le suivi. Donc, vous avez des éléments au niveau de la direction qui descendent sur le terrain pour s'assurer que le travail est correctement fait. Donc, à chaque fois aussi, sur le fichier électoral aussi, on intervient pour regarder le fichier électoral, pour expliquer aux uns et aux autres jusqu'où le fichier électoral guinéen est problématique aujourd'hui. Nous avons des doublons, des triplons dans ce fichier. Comment vous arrivez à détecter cela?
Par quel mécanisme? D'abord, nous avons... Surtout que c'est pas vous qui avez travaillé à la base. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens, certains sous-estiment la capacité et l'organisation qu'il y a à l'intérieur de l'UFDG. Mais c'est un parti qui est organisé d'ici jusqu'à Yomou. Quand on donne une instruction au niveau de la commission électorale, toutes nos commissions électorales locales se mettent en branle. Donc, quand, par exemple, on est en train de faire du recensement, nous avons... des gens qui sont dans les carles. Nous avons des fédérations et des structures. Donc, à chaque fois qu'il y a une anomalie, ils ont une adresse email où ils peuvent prendre des photos ou des informations et nous remonter automatiquement ces informations. Vous avez entendu parler des démembrements récemment qui a fait beaucoup de bruit. Ces démembrements-là aussi, leur installation a été gérée par la commission électorale de l'UFDG. C'est nous qui définissons les critères des personnes qui doivent représenter le parti au sein des démembrements. Mmh. Et nous avons un répertoire de toutes ces personnes avec qui nous travaillons au quotidien. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme sur le terrain, nous sommes automatiquement alertés et on essaie d'alerter soit nos supérieurs, soit la CENI pour qu'ils rectifient le tir. Donc au niveau du fichier électoral, quand il y a des mineurs qui sont enrôlés, les gens le constatent avec des photos qu'ils nous envoient. Donc on a ces photos-là et on les diffuse à grande échelle. Même si beaucoup estiment que parfois vous faites plus de buzz, vous inventez, vous créez même dans la tête pour troubler le bon fonctionnement des activités de la CENI. Mais moi, j'étais membre du comité technique chargé de nettoyage et de la consolidation du fichier électoral. Mm-hmm. Je sais ce qui est contenu dans ce fichier électoral. Qu'est-ce qui est contenu? Par exemple, je vais vous donner un élément. Sur 1 million, à peu près 400 000 électeurs qui ont été... 1 600 000 électeurs qui ont été recensés en 2016... Il y avait environ 600 000 qui étaient nés soit en 1er janvier ou en 1er juillet. Mmh. Comme par hasard, 600 000 personnes, c'est-à-dire 42% de la population était née à peu près à deux dates. Si vous prenez aujourd'hui la population de Kaloum, le corps électoral de Kaloum, c'est 99,20% de la population de Kaloum. C'est-à-dire à Kaloum, il n'y a ni mineurs, il n'y a ni enfants, il n'y a ni bébés, tout le monde est électeur à Kaloum. Mmh. À Dixien, c'est 98%. En Haute-Guinée, on n'en parle pas. Quand vous prenez le rapport de la mission européenne, il nous dit clairement que en fait l'augmentation de l'électorat en Haute-Guinée, dans la région de Kankan notamment, est d'à peu près 56%. Alors qu'au même moment. Oui, c'est un pôle d'attraction aussi. Hein? Il y a des mines qui sont ouvertes un peu partout. Oui, mais derrière. Sigiri, c'est une mosaïque. Kankan est une mosaïque. Mandiana, mais derrière, vous allez justifier. L'exploitation de l'or. Je vais vous expliquer. Allez-y. Si des gens viennent renforcer l'électorat à Sigiri, ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs. Oui. Vous allez justifier, vous allez voir une déperdition ailleurs. Ce qui ne se voit pas. C'est donc, là le point de départ, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, il faut. Au Fouta, par exemple, c'est stable. Le Fouta, ça augmente au contraire, un peu légèrement, mais dans tout le pays, ça augmente au bout de 5 ans. Mm. Mais quand ça augmente de 15% à Labé ou à Boké, ça augmente de 50% à Kankan. Oui, mais ça pose un vrai problème. Est un véritable pôle d'attraction. Non, le véritable pôle d'attraction ces dernières années, c'était la forêt, la région de Beyla, la Zogota, parce que là, il y avait des activités minières. À Kankan, dans la région de l'exploitation artisanale de l'or, ça fait venir généralement des étrangers. Beaucoup de Guinéens. Laissez-moi finir. Mais justement, on doit justifier d'où ça vient. Mais les gens qui viennent progresser pour une exploitation artisanale ne peuvent pas expliquer une augmentation aussi exponentielle. Géométrique. Dernier point, les élections communales sont en vue. En tout cas, si l'accord est parfait aujourd'hui, techniquement, quelles dispositions votre secrétariat envisage pour les préparatifs de ces élections? Je dirais que c'est plus la commission électorale. Nous sommes actuellement dans la phase de réflexion pour la mise en place des stratégies au niveau du parti. Donc tout ça est en mouvement actuellement. Il y a des gens qui travaillent quotidiennement, tous les jours, pour essayer d'affiner la stratégie. Est-ce qu'on présente des listes dans tout le pays? Est-ce qu'on fait des alliances avec tout le monde? Enfin, bref. Donc tout ça est... Fait avec des alliances? Ça, la réponse est déjà donnée. L'UFDG ne remorquera aucun parti. Et les NFD aussi vont loin pour présenter déjà leurs candidats au niveau de ratement estimé bastion de l'UFDG. Là aussi, je pense qu'il est important de rétablir un certain nombre d'éléments aussi. Donc vous êtes venu aujourd'hui pour rétablir les choses qui sont dérangées. Il y a beaucoup de choses. Ibro Diabati. Allez-y. En plus, il est de Chaubois, on vient tous de Boké. Donc là-dessus, c'est que je veux dire, une élection communale, on élit directement les conseillers communaux
et on élit un direct qui se retrouve pour élire le bureau exécutif de la commune. Ouais. Donc on peut faire des alliances soit au niveau, avant le début, quand on forme la liste, c'est qu'on appelle une liste commune, ou sinon on se retrouve après l'élection, on regarde le nombre de conseillers qu'a obtenu chaque parti, on fait une alliance pour se soutenir et élire le bureau exécutif et diriger le bureau exécutif de la mairie, notamment les maires et les vice le bureau exécutif. Les maires adjoints. Mmh. Donc nous, dans l'optique dans laquelle nous sommes, nous estimons, nous sommes implantés dans tout le pays. Donc notamment dans toutes les communes urbaines, nous nous sommes dit qu'on n'a pas besoin de faire une alliance, une liste commune, mais on fera une alliance après les élections. On suggère, on encourage tous les partis alliés de présenter leur liste pour qu'ils partent aux élections. Quand je prends le cas du NFD, par exemple, le NFD aujourd'hui, c'est un parti qui est là depuis 2008, mais qui n'a participé à aucune élection. Quand nous avons constitué les démembrements, nous avons eu de véritables problèmes pour attribuer des postes au NFD, parce que les gens... L'UFC est la même chose, parce que les gens estimaient que finalement, comme c'est un parti politique qui n'est jamais allé aux élections, ils n'ont pas le droit d'avoir un poste dans un démembrement. Mmh. Et ils estimaient que nous, l'UFDG, nous soutenions le NFD, enfin bref. Donc pour nous, nous les encourageons. Mais le PGRP de Alpha Ibrahim Asilaba, qui est par exemple parti aux élections, mais qui est plus récent, c'est le cas du BEL, qui est plus récent, qui est parti aux élections. Ouais. Mais fondamentalement, quand vous prenez Ratoma, aujourd'hui Ratoma, l'UFDG a 3 fédérations. Une fédération, c'est 9 membres titulaires et 2 adjoints. Donc 27 personnes dans chaque bureau, et vous avez le bureau des jeunes et le bureau de vannes. On dirige la mairie de Ratoma, la délégation spéciale de Ratoma actuellement. On ne peut pas demander à l'UFDG, qui est en fait dans la commune, la circonscription électorale la plus importante du pays pour l'UFDG, de se retirer au profit d'un parti allié. Les fédérations à la base ne comprendraient pas. Il y a des gens qui se battent quotidiennement à Ratoma ou ailleurs pour justement être présents pour gagner ces élections. Comme pour dire que vous allez avec les Marocains, vous aimez bien votre bras célèbre, mais vous préférez votre bras. Bon, ceci, j'ai pas bien compris, mais fondamentalement, c'est que je veux dire. Vous aimez bien les partis alliés. Nous, on les encourage à aller aux élections. Même pour eux, c'est important pour eux, derrière, pour pouvoir se mesurer, pour pouvoir s'organiser, pouvoir dire à d'autres partis alliés, nous sommes allés aux élections. Voici ce que nous avons eu. C'est extrêmement important pour eux. Vous les avez habitués à les remorquer tout le temps. Non, on les remorque pas. Ce sont des alliés. On est censé travailler ensemble. On va encore se retrouver au niveau des alliances. Vous quand il y aura besoin d'alliances, on fera des alliances avec eux, avec tous les autres partis. Mais par contre, il est important de souligner que la stratégie est encore en cours d'affinement, mais c'est dans les communes urbaines, on est d'accord, dans les grandes communes rurales, on est d'accord, mais il y aura peut-être des petites communes où nous ne sommes pas suffisamment présents, où peut-être nous ferons des alliances, des listes communes avec ces partis. Mais tout ça reste à affiner. Il y a un travail qui se fait actuellement qui n'est pas abouti, donc c'est pour ça qu'on préfère ne pas trop se prononcer là-dessus aujourd'hui. On va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. Monsieur Lamarana Yembelen Diallo, qui a commencé à nous appeler à partir de 10h30, puisqu'il sait qu'à partir du 30 déjà, on commence à prendre les auditeurs. Vous pouvez donc réagir sur les deux numéros du stand. Monsieur Dabou Mamadi, qui est en ligne. En bas, il y a Diallo Mamadi Chérif. Dabou, elle est en ligne. Dabou, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Je voudrais que votre invité accepte de reconnaître cette vérité. Laquelle? Que la mouvance et l'opposition ont violé le code électoral. Le code électoral, c'est une loi. S'il s'agit de changer quelque chose dans le code électoral, il faudrait passer à l'Assemblée nationale. Oui, mais on a dit que le débat ira à l'Assemblée. L'Assemblée nationale. Le débat ira à l'Assemblée. L'accord est là. Il y a des parties de l'accord qui doivent être discutées à l'Assemblée. Et le vote des députés, l'accord n'influence pas le vote des députés, M. Dabo. Hier, on a reçu un député qui a pris part aussi à ces travaux. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, je suis content. Mais la question que je voudrais poser à votre invité, entre désigner un politicien, un militant pour diriger le quartier, de laisser le choix aux citoyens d'élire librement leur représentant, vous choisissez quoi, monsieur le représentant de l'UFDG? La question est notée. D'abord. Merci. Et une autre petite question à vous aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous qu'il y a une politisation à outrance de la vie nationale? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver quelqu'un qui est simple candidat
et qui ne signe pas dans un parti politique. Ah, il est parti, hein. 666-99-99-31. Appelez-nous, faites des commentaires ou posez des questions. Monsieur Lamarana Yemberen qui avait appelé Daouda Mohamed Camara depuis le début. Est-ce que Lamarana, il est là? Je n'arrive pas à voir ça. Oui, Lamarana Yemberen est là, Daouda. Lamarana Yemberen Kabour, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour à vous, bonjour à votre invité. Ah, il est Gallo parti. Amadouri, bonjour. J'ai dit que Yemberen c'est Kabouré. Bonjour Monsieur Condé. Nous vous écoutons. Merci. Je dis bonjour à Diogo. Mm-hmm. Bonjour. Pour son intervention. Merci. Je voudrais dire concernant cette soi-disant polémique pour la certification de la liste au niveau des quartiers. Mm. Aujourd'hui, c'est une soi-disant polémique. C'est une soi-disant polémique. À vos yeux. Parce qu'aujourd'hui, depuis 6 ans, le RPG nomme les chefs de quartier. Personne n'a crié. Aujourd'hui, comme il y a eu consensus pour présenter les membres de ces conseils de quartier, comme ils savent que le RPG ne va plus lutter des déshydratants au niveau de ces quartiers-là, tout le monde se met à crier ou bien à... Mais ce n'est pas le RPG qui attaque le RPG, c'est les partis de l'opposition même, notamment le BL, le PDN, ou bien c'est le RPG qui les commissionne. Concernant le PDN, quand j'entends François Borne dire qu'on s'est battu, comment, où ils se sont battus? Quand on marche... Il est parti. Condé Amadou aussi nous a appelé, il est parti également, Daouda, on va prendre Monsieur Kalo, et puisque 2 petites minutes nous séparent de la fin de l'émission. Monsieur Kalo, bonjour. Bonjour mon frère Kamara, bonjour à mon frère Kondé, bonjour à mon frère l'invité. Nous vous écoutons. Et permettez-moi de dire bonjour à la mec fatigue et tous les anciens de la facture. Allez-y, la facture s'alourdit au jour le jour. Ça va venir un jour, KO. Moi, le crainte que j'ai, si l'opposition républicaine accepte qu'on modifie la loi, si le président de la République s'impose ici un jour pour dire oui, j'ai accepté de changer le code électoral là où le président de code électoral, le président des signes est une puissance extraordinaire, et il a changé cet article-là, et aujourd'hui cet article aussi va changer. S'il dit qu'il va changer des articles, là, surtout précisément article 154, si mes mémoires sont bonnes, et qui limite le mandat, qu'est-ce que vous allez faire? D'accord. Parce que ça, c'est une question qui me tique beaucoup dans la tête. Et mon frère dit tout à l'heure, qu'est-ce que le PDN a fait ici en Guinée? Le PDN a fait beaucoup. Mon frère qui est au studio savent bien, quand on a dit que le PDN est arrêté des ministres. Oui ou non, on a retiré nos ministres parce qu'on était dans l'opposition républicaine. On nous a exigé de faire démissionner, de être avec nous, à l'opposition. Vous avez des ministres là-bas. Et même le membre de CNT, il a démissionné. Et est-ce qu'on n'a pas beaucoup fait? Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Couette allait être assassiné. Tout le monde était avec la cellule aussi détruite. On a tiré sur sa voiture. Si c'était un blindé, c'était catastrophique pour le pays, parce que quand ils vont tuer, quand il allait le tuer, c'était dangereux, parce que c'est un homme reconnu mondialement. N'importe quelle personne qui collabore avec Kouyaté, tout sera que c'est... Voilà, merci Kalo Ibrahim. On va prendre le dernier auditeur, Monsieur Chérif Mamadou Diallo. Allez-y. Bonjour Monsieur Daouda et Kondé, les invités. Bon, bonjour. Moi, c'est que mon inquiétude, je sais, c'est pas moi seul. Qui a pris le garantie, les accords qu'ils ont tombés d'accord au palais des peuples, parce que ça m'inquiète beaucoup, la société civile n'est pas partant. Nous, la population qui a en train de souffrir énormément, on voit comment le dialogue, on a pensé, ça peut aller. Est-ce que M. Condé peut respecter le dialogue-là? Parce que la communauté internationale est silencieuse au niveau du dialogue. Est-ce que maintenant, s'ils n'arrivent pas à respecter le dialogue, ils vont compter à qui maintenant? Okay. Merci beaucoup. Vous êtes le dernier intervenant compte de l'émission de ce mercredi 12.
octobre 2016, oui, monsieur Diogo, les réponses aux différentes, la réponse aux différentes questions. D'accord, la première question était de monsieur Dabo Mamadi qui disait en fait pourquoi ne pas laisser les citoyens choisir. Donc je dis encore une fois, les citoyens vont choisir, c'est eux qui vont voter dans leur quartier pour la liste soit d'un, de, d'un parti politique ou d'une candidature indépendante. C'est extrêmement important de le préciser. Il y aura des gens qui pourront être candidats que dans un seul quartier, il y aura leur liste, ils ne sont pas obligés d'être d'un, d'un parti politique et les citoyens peuvent voter. Et ça, je réponds à cette question en rejoignant ce qu'a dit Yemberin. Ça fait 23 ans que les chefs de quartier et district sont nommés par l'exécutif, à la fois au temps de Conté et maintenant. Et ça, ça n'a pas choqué des gens qui se lèvent aujourd'hui pour dénoncer des gens de la société civile ou d'autres partis politiques. On aurait bien voulu les entendre bien avant. Pas aujourd'hui, maintenant qu'on a obtenu un accord, même s'il n'est pas parfait, qui va permettre de choisir ses représentants locaux au niveau des quartiers et des districts. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été le cas. Toutes ces personnes-là étaient nommées par le gouvernement. Vous allez vous retrouver dans un quartier comme Wanindara ou Koloma où l'UFDG fait 90% de ses électeurs, mais le chef de quartier, il répond au nom du RPG ou du gouvernement, ça c'est connu. Et aujourd'hui, si dans un quartier, c'est M. Condé qui est la majorité, qui est adoubé, mais la liste de M. Condé va diriger le quartier et M. Condé sera chef de quartier. Donc, il n'y a rien de plus conforme. Et encore une fois, j'insiste, qu'aucune loi n'est violée, comme vous avez dit tout à l'heure, pour arriver à la question de M. Callot. Ouais, modification, la Constitution ne sera pas modifiée. C'est le code électoral qui est une loi organique qui va être modifiée au niveau du Parlement et il faut l'accord des députés. C'est leur rôle de légiférer. S'ils s'entendent, ils vont modifier. S'ils ne s'entendent pas, peut-être ils ne vont pas modifier. Mais c'est leur rôle. Il y a un élément, il y a une avancée qu'on met à leur disposition pour qu'ils rendent la loi, le code électoral conforme. Concernant une potentielle modification de la Constitution, on n'en est pas là. Je pense qu'il y a des choses dans la Constitution qui ne sont pas modifiables. Je ne reviens pas dessus. Le principe d'intangibilité. La forme républicaine. Exactement. Donc, je ne reviens pas dessus pour répondre à M. Dalle. Pour M. Chérif Diallo, la garantie des accords. Comme l'a dit le président de l'UFDG, Alcelou Dalan Diallo, jusqu'à preuve du contraire, on fait confiance à M. Alpha Condé, au président de la République, qui s'est engagé devant l'opinion nationale et internationale pour respecter tous les accords qui seront issus de ce présent dialogue et des dialogues intérieurs. Donc nous allons le juger sur les faits. Et fondamentalement, que ce soit nous, que ce soit un autre parti politique, que ce soit le président de l'UFDG, personne n'a aujourd'hui la garantie de l'application. Tout est dans les mains de l'exécutif et de M. Alpha Condé. Nous, on va les suivre. Il y a une décrispation politique, on a suspendu nos manifestations pour la paix, pour que ce pays avance et on souhaite que ces accords soient appliqués. Il y a une avancée. Et mon dernier mot là-dessus, c'est que je tenais quand même à dire, c'est qu'il faudrait rétablir une certaine vérité. La Constitution n'est pas violée, le code électoral, il y a des choses qui, dans tous les cas, il fallait le changer. Il y a du toilettage. Il y a du toilettage qu'il fallait faire, donc on va le faire conformément aux accords et avoir une cohérence avec tous les textes de loi. Et l'autre élément, il faut que les gens comprennent la complexité des élections de quartier et de district. La CENI, aujourd'hui, nous avons tous vu une CENI qui est incapable d'organiser une élection présidentielle avec une seule urne dans une seule circonscription qui est le pays ou dans 38 circonscriptions pour les élections législatives. Quand on va demander à cette même CENI d'organiser une élection dans 4100 circonscriptions électorales avec plus de 20 000 listes, avec plus de 4 000 magistrats à mobiliser, imaginez la complexité et imaginez l'incompétence, imaginez ce qu'on va avoir comme résultat. Donc on rappelle que c'est le pouvoir ne voulait pas qu'on ait des conseils élus. Il proposait, il mettait sur la table qu'on nomme le chef de quartier de district. Ce qu'on a obtenu n'est pas forcément parfait, mais c'est quand même une grande avancée. Ça, je tenais à le rappeler et à rassurer les citoyens et dire que chaque citoyen qui peut être candidat dans son quartier, il lui suffit de former sa liste et de déposer au niveau de la commune.
Diogo Bandé, merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie, merci de m'avoir reçu. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est terminé au compte de ce numéro. Vous pouvez suivre la rediffusion à 22h05 sur Chérie FM, la 104.1 et 22h15 sur le petit écran d'Africa Today Télévision. La mise en onde a été assurée par l'enfant de, par le seul bagarre de l'équipe, Bokarami Bangoura, assisté de ses deux stagiaires, Kabine Sano et Yamoussa Sila. La réalisation côté Tativi, coordination assurée par Alassane Diallo et toute son équipe. Ici, micro présentation à Bocar Condé. On se reprend demain, même heure, même fréquence, mais avec un autre invité. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45, sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de